Alors, bienvenue à la troisième partie de ce Let's Play de Kikil Cubicle. On avait fait le premier et le deuxième monde déjà. On va faire un quick load. Troisième monde, Cake Land. C'est à partir de ce niveau-ci, en fait, à partir de ce monde-là, que les puzzles vont commencer à devenir clairement plus complexes. J'enregistre encore une fois l'audio en différé du gameplay. Vous allez d'abord premier niveau en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de trous d'eau, il y a plusieurs ennemis qui se promènent, je suis un petit peu bloqué dans les directions où je peux aller, puis il y a des springboards sur les murs, donc faire attention avec ça, pas me renvoyer justement mes blocs de glace au visage comme j'ai de manquer de faire ça là. Puis il y a quand même pas mal d'ennemis, donc faut faire attention. Les bonus sont pas mal tout sur le chemin, je pense, les popsicles à ramasser. Donc c'est pas très très complexe pour faire ça ici. Ça, une petite passerelle pour passer. On va ramasser les petits bonus. Le premier niveau va avoir été relativement facile. On vient de libérer. C'est des cakes dans celui-là, je pense. Fait que. Je sais pas, ça a l'air d'être des espèces de pudding au raisin, je sais pas trop quoi. Deuxième tableau. On va voir qu'est-ce que. On a comme surprise dans ce nouveau tableau aussi. Ok, on a beaucoup de boules de pique, on a des ennemis qui sont piégés, puis en fait, ils sont complètement encerclés par des trous d'eau, donc je crois qu'il n'y a aucune chance que les pics dans le milieu viennent nous déranger. La seule chose, c'est qu'ils vont faire des cercles comme ça, puis ils vont bloquer mon envoi de blocs de l'autre côté pendant que je fais une passerelle, puis il y a une boule de pique, dans le fond, qui fait le tour, puis qui peut m'attraper. Donc, c'est la seule vraie menace. Sinon, les boules de pique dans le milieu sont plus des nuisances qu'autre chose. Là, en ce moment, je suis en train de faire une petite passerelle pour réussir à aller chercher toutes les. J'ai toujours pas convenu de qu'est-ce que c'était ces affaires-là. J'imagine que c'est des sacs, sérieusement. Je remarque, ça fait aucun sens pour moi de pourquoi ramasser des sacs pour faire fondre des glaciers. Là. On va faire attention, on va reculer un petit peu. Là. Faut se ramasser par ça, parce qu'encore une fois, le jeu c'est un one hit puis t'es mort. Là. Donc, ah, puis j'ai. Ok. Bon, il me l'a renvoyé de l'autre bord. Ok, on va peut-être juste attendre que. Ok, il l'a pas renvoyé ici. Bon, on va pouvoir aller le chercher de l'autre côté. Après ce monde-là, il va me rester un seul monde à faire. Puis je crois qu'on va avoir fait le tour du jeu. Autrement, c'est sûr que il y a un niveau bonus, je crois, un monde bonus. Je vais peut-être le faire en extra plus tard, mais je veux dire, c'est après le main game, si on veut. Donc, je pense pas que je vais me formaliser de ça. Bon, on vient de libérer des beignes. Wouh! Troisième tableau. Toujours aucune espèce de petite créature bizarre qui est venue me parler, donc. On est safe jusqu'à maintenant. Mais là, on a une nouveauté. On a des espèces de chevaliers en armure. Puis, en réalité, c'est là que la merde commence à. Shit hits the fan. Voilà. Le bouclier bloque de mon espèce de souffle glacial. Là, donc, c'est un petit peu emmerdant. Je viens de perdre une vie. La première de plusieurs, en fait, pour ce tableau-là. Parce que. Il me charge en commençant. Donc, c'est dérangeant. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on s'en débarrasse. Ils reviennent plus. Fait que. Au moins, si je prête comme toutes les cliniques. Voilà. On vient de voir justement, en fait, le bouclier m'a renvoyé mon souffle glacial. Donc. C'est chiant, là. Deuxième vie perdue. Combien de vie est-ce qu'il me reste? Il m'en reste deux. C'est pas si pire. Heureusement, j'en avais pogné supplémentaire dans le niveau d'avant, dans le monde d'avant. On va en tuer deux. On va ramasser les petits bonus. On a un petit sac ici. On va en tuer trois. Good. Bon, maintenant, comment faire? Les petits cossins bleus qui sautent sont un petit peu dérangeants. Encore une fois, toucher une fois, tu meurs. Là. Je sais pas si je devrais pas comme mettre des espèces de petits. Oups, voilà. Je me demandais si je devrais pas comme m'isoler en faisant des petits cylindres de glace, là, des colonnes. Mais il n'y a pas assez d'espace dans une petite zone en haut. Que, bon, on retourne à la zone de. Case départ. Je viens de prendre son mal en patience. Il me reste une vie. Prendre une petite gorgée de café. Vous remarquerez peut-être que je prends souvent du café quand je fais ces vidéos-là. Oh yeah! Good, good, good. Bon, en fait, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'infiltre cette zone-là, que j'aille de l'autre bord pour pousser le bloc. C'est un petit peu emmerdant.
j'hésite tellement à passer, là. Ouf. Bon, ok, sur de l'autre bord. Ok. Ah! Ça passe des proches, là. Ok. J'ai bloqué l'influx de nouvel ennemi, parce que là, je vais peut-être pouvoir juste me pointer l'autre bord, puis... Comme ça, ouais. Bon, il va falloir que je fasse ça de l'autre côté. Enlever un cylindre, puis... Je l'ai comme ça. Voilà. Good. Là, c'est juste d'arrêter de... Ah! Ah! Putain! Je l'avais, là! J'avais fait mon chemin tout... Non. Non. Il me reste une vie. Spoiler, je risque d'être game over dans pas très longtemps. Le pattern de départ, buter les espèces de petits soldats rouges. Parce que les autres sont plus dérangeants qu'autre chose. Puis de ce que j'ai vu tantôt, ils peuvent charger en plus, là. Fait que... Par les cornes. On y va. Yes. C'est pas que le bonus s'en va. Ah non, on va aller chercher. Good. Excellent. Bon, c'était pas Cakeland, parce que sinon, en ce moment, c'est des chichons, là. Donc, ce serait Candyland. Peu importe. Ça va quand même pas pire. J'ai fait le quart, le cinquième du niveau à date. Ça devrait aller pas si pire. On a le retour des canons en haut, le retour des pingouins. On a deux zones. Puis, en fait, il faut que je me fasse une passerelle vers l'autre côté, vers la droite. Puis on a un canon qui tire des balles dans mon direction. Heureusement, il y a une murale de blocs, des espèces de blocs vert-jaune, je sais pas trop. Donc on va pousser ce bloc-là jusqu'à l'autre côté. Bon, on va mettre une couche de glace par-dessus. Juste être sûr, faut pas que je le coince contre un mur, sinon le bloc est... Parce que notre ami Kickle ne peut pas tirer sur les blocs, donc il faut juste faire attention de ne pas me bloquer pour devoir tout refaire le chemin. Okay. Comme ça, ça semble pas pire, je pense, en dessous de ça par en haut. On va remettre encore une couche de glace. Piou! Voilà. Bon, apparemment, c'était ça. Pas trop compliqué. Voilà, comme ça. Puis, comme ça. Là, on a le problème du canon, mais je crois que ça va se régler de soi-même quand... Je vais envoyer dans le fond un ennemi dans sa rangée, là, puis de ça, je vais pouvoir aller chercher le... Comme ça, voilà. Pioup! Et voilà, on bloque les balles, on cherche le dernier. Cool! Cette fois-ci, ça a l'air d'être des hamburgers! Vraiment. Je me souviens vraiment pas cette zone-là, de vraiment, c'était quoi le nom de la zone, mais des hamburgers, des suçons, des... Weird. 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 Bon, un autre tableau, on est flodé d'ennemis, mais là, il y a une vie. Puis il y a une boule de pique qui fait le cercle autour de la vie, clairement, it's a trap, to quote Akbar. On va geler un maximum d'ennemis, parce que sinon, ça, j'ai pas vraiment de mobilité. Hein. Voilà, cool. Que ce sera même pas trop complexe, en fait. Faudrait que je me fasse un chemin en bas, heureusement j'ai déjà gelé un bloc. Que... Cool, voilà. On va pouvoir passer, je vais même me donner la peine d'aller chercher la vie pour la peine. Phew! Ça aurait pu mal tourner. Bon, ben, on a encore des bonbons. On a des bonbons. Il me reste... j'ai gagné une vie, donc j'ai réussi à remonter. Petite gorgée de café, il y a un bout d'histoire. Le bonbon nous parle. Notre palais a été scellé dans la boule de cristal par de la sorcellerie. Ouh! D'accord. Malgré ceci, nous n'avons pas peur, blablabla, vous pouvez nous sauver pour sûr, blablabla. Ok. Ayez confiance en l'espèce de petit bonhomme de neige que vous ne connaissez pas en réalité, vous savez pas si c'est un héros ou whatever. Apparemment, les suçons croient en lui. Bon, des tortues, je pensais un petit peu à des Koopas. Ils tournent sur eux autres puis ils chargent. Ah! Bon. Bon, une vie gaspillée très rapidement. On a un paquet de ces petites tortues-là. Je sais pas, j'ai comme une envie de les tuer. Là. Peut-être que ça aiderait si je pourrais les tuer. Ou à la vitesse qui charge dans le fond, t'in. Speedrun. On a des flans dans le milieu. Des flans. Des crèmes caramel, je pense, en français. Ouais, c'est ça.
tableau qui s'est fait très rapidement. Là, on est rendu clairement à peu près à moitié. Je pense qu'après ce niveau-là, on va être rendu à moitié. Encore une fois, des springboards. Deux bonus avec moi. Puis un personnage avec un shield de l'autre côté qui protège les trois petits sacs que j'ai besoin de les ramasser. Donc, ok, comment qu'on va faire ça? Faut clairement utiliser les planches à ressort, là. Donc, pas comme ça en fait. Ouais, faut clairement que je l'accueille au bord, faut que je l'amène jusque là. Ok. Fait qu'on va, faire le trompe-la-mort aussi. Ah, oh boy, c'est serré, je trouve. Ouais, c'est ça la mécanique dans le fond, mais faut que je sois plus proche du. Faut que je sois plus proche de la zone rose, faut que je laisse avancer vers moi. Fait qu'on va faire ça. On va laisser avancer, on le gèle, on l'envoie et puis on le tasse. Piece of cake. Fait qu'on fait ça comme ça une couple de fois. Là, il va falloir que je me mette pour en bas, c'est ça. Comme là, il va falloir que je me mette à droite. Ouais. Pour être sûr. Ouais, c'est ça. À droite. Puis, me tasse. Ok, là, on a le chemin. Là, je vais attendre qu'il arrive en bas, puisque je veux pas le confronter de face. Et on finit le tableau. Cool, ça va être des éclairs au chocolat. Ça, ou des pogos pas de bâton, je sais pas trop. Ça va bien, ça va quand même pas pire. Il reste 1, 2, 3, 4, 8, il reste 9 tableaux. Donc on a atteint mi-chemin. On a un maillet dans le milieu, je pense qu'on l'avait vu dans le monde précédent, sauf que là c'est couplé avec les petites tortues qui chargent. Puis on a un seul bloc en la forme de l'ennemi, dans le fond, qui va respawner, puis qui est confiné à un seul carré de. Donc là je me demande en fait, il va falloir que j'utilise. Faut absolument que je le mette dans la zone. Dans le fond, faut que je me fasse un pont. En évitant la tortue, qui est vraiment emmerdante. Comment je peux envoyer ça? Je peux pas mettre de cylindre sur la zone rose, fait que je suis vraiment contraint d'utiliser. Tiens-toi. Je suis vraiment contraint d'utiliser un seul bloc, puis le maillet dans le fond. C'est la seule manière que je peux faire ça. Si déjà le vite, c'est fou. Ok. C'est emmerdant. Hein? Bon, on fait ça comme ça. Ok, on envoie comme ça, on va pouvoir l'envoyer par en haut. Si on met ça comme ça, il va falloir que je mette une autre couche encore. On va l'attendre, j'ai entendu. Non, ok. Je veux dire. Oh, je l'ai renvoyé à la même zone. Ah, puis Chris, ça a pété mon bloc. Bon. On recommence. On va régler ça. Ouais, tortue fatigante, va-t'en. Ok. On va l'envoyer par en haut. Bon. Ouais, bon. On va replacer le maillet encore. Comme ça, comme ça. Ok, maintenant on va l'envoyer même en haut. Puis, ok, si j'envoie comme ça, il va redescendre là. Ok, c'est correct dans le fond. C'est même beau ça. Là, cette tortue, on va s'en débarrasser. Mettre une autre couche de glace dessus. Ok. Là, faudrait que je l'envoie vers la gauche, je crois. Ouais. Gauche, par en haut, par la droite. Pas par en bas. Ah, crap. Je pense que j'ai fait une erreur là. Je peux rien faire, ça, c'est-à-dire qu'il fallait que je l'envoie par en haut. Il aurait fallu que je l'envoie par en haut. Bon, on va recommencer. Pète la tortue. Puis toi, laisse. Je peux quand même reprendre à partir de là. Si je fais ça comme ça, ça va poursuivre ce que je t'ai rendu, dans le fond. Ok. On va tuer lui, là. Puis on va recommencer, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ok, on va casser la tortue. C'est une tortue de merde. Ah crap, j'ai oublié de mailler. Ah, great. Bon. Placer le maillet en premier. On va faire ça. On va par en haut, par la gauche. On wax ça. On va le renvoyer encore par la gauche. Oups, tortue. Comme ça. Comme ça. On monte, on va replacer le maillet. On va attendre pour la tortue. Parce qu'à chaque fois que je suis comme en ligne droite avec, elle me charge. Comme ça. Ah, puis le bloc commence à dégeler. Ok. Oh, je commence à manquer de temps. Fuck. Bon, on va voir que je recommence encore, je pense. Merde! Il y a 6 secondes. Ok, comme ça, je peux pas faire ça par en haut. Ok, comme ça. Par en bas, il reste 2 secondes. Ah! Ah! Comme. C'est pas bon ça, calique. J'ai été wacké par une étoile. Time up! Ok.
Game over en plus. Super. Ça, c'est, je me rappelle, c'est quoi la princesse là, mais on va continuer. Je veux dire, j'ai tendance à être OCD, mais le but du vidéo c'est un let's play. Là. C'est pas un let's OCD perfect play for the win. Là. Fait que, je veux dire, si je suis game over, c'est clair en plus, le jeu est pas si simple que ça. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, je vais être game over. Là. Je pense que la seule pénalité en fait, c'est au niveau du pointage. Fait que. C'est pas bien ben grave, je veux dire, je me fais quand même du fun. Réaliser les puzzles, c'est quand même vraiment, vraiment le fun. Ok, donc là, j'ai pas vraiment le choix, faut que j'envoie vers la gauche, là, pour faire attention à la tortue. Bon, c'est proche. Merde de tortue. Le tableau serait beaucoup plus simple sans la tortue, là, j'admets, là, parce que c'est en train de charger, puis faut tout le temps sur le qui-vive. Ok, fait que là, ça va être vers la gauche, je pars en haut. C'est la tortue. Je pars en haut. Ok. Ah, le con! Tu peux pas me laisser réfléchir 2 secondes, hein? Non. On l'a refait. J'y suis presque, là. Je suis à 2 doigts, là, mais je commence à vraiment être tanné de ce tableau-là. Gorgée de café. Bon. Ok. Ça ici. Fuck la tortue de merde. Tiens. Oh, coup de maillet sur la gueule. Bon, fait qu'on poursuit l'habituel. On va faire ça. Ça. On va y aller à gauche. Boum. Ça. Ok. J'ai l'impression que c'est ici mon problème, en fait. Ok. Ok. Ok, par en haut, hein. Ça doit être ça. Par en haut. Comme ça. Ok, là, le maillet. Ok, je pense que comme ça, je vais réussir le puzzle. Yeah, bien plus, je vois que la tortue en même temps. Excellent. On se débarrasse de la tortue, ramasser 300. Ok, quand elle vient glacée. Excellent. Il était pas simple, ce niveau-là, mais c'est pas dans le plus complexe qu'on peut avoir. Il reste encore 8 niveaux plus le boss. Ok, je pense que c'est une nouveauté, ça. Les espèces de trucs qui ressemblent à des pièces de... De dames chinoises, hein, les espèces de pics qu'il y a sur les côtés. Si t'envoies un bloc là-dessus, le bloc explose, hein, t'as incrusté ci-dessus, donc tu peux pas l'utiliser pour l'envoyer contre. Bon, voilà, c'est stupide. Tu peux pas l'utiliser pour, diriger ton bloc comme tu veux. Fait que t'es obligé d'utiliser les autres ressources du niveau, si on peut dire. Il y a 2 springboards à gauche, à droite, en haut, puis il faut juste faire attention en fait, parce que je vais être obligé de libérer les 2 boules de pique. Fait que les menaces principales du niveau, c'est la masse incroyable d'ennemis qu'il y a dans le milieu. Il y a 2 safe zones dans les... Ah, dans les petits carrés roses qu'il y a dans le milieu. Les carrés plus foncés... j'étais encore game over. Les carrés plus foncés dans la zone rosée, c'est des zones safe où ce que les ennemis peuvent pas aller. Fait que je peux utiliser ça à mon avantage. Je pense que j'ai pas le choix d'utiliser ça à mon avantage. Fait que... On va chercher les bonus puisque c'est des points. Le caractère OCD de ma personnalité fait toujours surface. Zone safe, on monte, on passe devant un ennemi comme si de rien n'était, on se met comme ça. Puis c'est clair que cette zone-là, ça sert à wiper par en bas. Fait que, regarde, on a réalisé le puzzle, en fait, c'est simplement ça, faire ça des 2 côtés. Fait que, okay, on va juste faire attention à un truc de pic. Hein. Puis, safe zone, voilà. On envoie comme ça. Ok, lui, gosse. On peut l'envoyer dessus parce que si on l'envoie, si on le lance sur la boule de pique, ça va le casser. Il faut se dépêcher dans le fond avant qu'il revienne, comme ça. On va faire attention, on va le laisser sortir. Bon, il wipe toutes les tabarnaches. Bon. Ok, on descend. On va chercher le petit manteau au sac. Ça, ça a l'air d'être des tartes. Bon, ça s'en vient bien. Si je referais le monde au complet, probablement que je pourrais réussir sans mourir. Là. Bon, au niveau un petit peu plus complexe, on a une vie d'un bar. Ça me tente, parce que les vies... Bon, en fait, à ce stade-là, oups, bon, voilà. Un beau petit exemple de « on peut pas s'en débarrasser de même », mais on peut le wiper avec le marteau. Puis il respawn en plus, l'espèce. Okay. Fait que, dans le fond, on a une vie d'un côté, puis on a un sac slash manteau rouge de l'autre côté qu'il faut aller chercher de la même manière. Donc, c'est juste de savoir dans quel sens faut frapper le maillet avec la boule, hein, avec le bloc de glace, c'est-à-dire.
que... Ok, fait que c'est comme... Si je l'envoie comme ça, ça va l'envoyer dans le mauvais sens. Fait que je le mette dans l'autre sens, celui en haut. Ouais, dans l'autre sens, comme ça. Puis je pense qu'il faut que je... Ouais, c'est ça. Faut que je clean la place, comme ça. Il gosse l'espèce de... J'ai toujours pas déterminé si c'est un hibou ou un raton laveur, cette affaire-là. C'est bizarre. Tiens! Pow! 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 Bon, on a fait... On a clearé le niveau. Mais la vie me tente. Fait qu'en fait, c'est la même affaire, mais à l'envers. Fait qu'il faut l'envoyer par en haut en premier. Comme ça. Est-ce que c'est tout? Oups. J'ai oublié de placer lui en dernier. Fait qu'il va falloir refaire ça. Bon, tout petit gosse, là. Ok, ça comme ça. Ça par en bas. Je pense que ça, c'est comme ça, c'est clair. Fait que... Ok. Fait qu'on va laisser dégeler, là. Pète le bloc, puis on va se placer pour l'envoyer sur lui. Puis je pense qu'avec ça, je vais pouvoir aller chercher les vies. Oh yes, puis je wipe le petit internet. Et voilà. Une vie. Puis dans le fond, sincèrement, on ne saurait pas grand chose, mais tu sais, je veux dire. Pour le principe. Hein. Retour des bangs. Est-ce qu'on va voir d'autres ennemis? Je sens qu'ils ajoutent pas beaucoup de nouvelles mécaniques dans ce monde-là. Oh! Oh! Retour des espèces de coqs. Là, il fait une espèce de petite shitstorm de blocs qui vont gauche à droite. Je pense que ça, c'est juste une question de timing. Là, on avance, good. Ok. Même principe. Là, ça a passé proche. Ok. Go. 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 Good. Ok. Ah, tu me niaises. Il y a un bloc juste en avant de la boule de pique, puis le bloc a fondu à cause du temps. Ah, ok. Fait pas que je me dépêche dans le fond. Ou je mets une autre couche de glace dans le fond. On va passer. Puis je pense qu'à partir d'en haut, je peux y en donner une autre couche de glace, puis comme ça, là. Ce serait simple si je faisais ça. Bon, j'ai voulu faire un petit peu trop vite, toi, le bloc qui vient de commencer à fondre. J'aurais dû mettre une deuxième couche de glace, ça aurait réglé le problème, là. J'ai trouvé le sweet spot entre aller trop vite, puis le faire assez rapidement, justement. Ok, good, ça c'est excellent. Good, 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 good. Ok, ok. Couche de glace, cool, cool. On fait juste attention, puis tout va bien aller. Okay. Nice, nice. Retour des crèmes caramel. C'est le retour des crèmes caramel. Feel good, on s'en vient bien. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 tableaux. 5 tableaux dans ce monde-là. Encore démaillé. Il me semble que le puzzle doit être assez simple. Bon, le stick de pingouin rose va pas arrêter de respawner. Si je l'envoie comme ça, je vais faire une passerelle. Ouais, je vais pouvoir faire une passerelle comme ça. J'essaie de faire la même chose, mais de l'autre côté, quand je peux faire ça. Comment je peux faire ça? Mon problème, c'est que le truc bleu est comme confiné dans une seule petite zone. Puis je peux pas mettre de frein ou ce que je veux, là, les espèces de cylindres de glace. Là. Bon, ok, mes écouteurs sont encore en train de... avoir de batterie. Là. Ça, le fun avec les écouteurs sans fil, c'est que run out of battery relativement vite. J'avoue que je les utilise plusieurs heures par jour, tous les jours. Là. Bon, on va accrocher ça ici. Comme ça. Good. On vérifie si ça enregistre toujours le son. Oui, ça va bien. Good. Ok. Où en étais-je? Ok. J'ai mon bloc là. Faudrait que j'aie accès à traverser de l'autre côté. Pingouin rose de merde. Oui, c'est pas en nos 2 secondes. En fait, non. J'ai l'impression que c'est ça. Faut que je l'envoie. Faut que je me time dans le fond. Faut que je réussisse à faire exactement la même affaire que tantôt. Sauf qu'il faut que je passe. Faut que je me mette de l'autre côté. Ok, on va faire ça. Il y a bien ça. On va enlever lui là. On va positionner les maillets.
Un comme ça, l'autre faut qu'il soit par en haut. Ok. Ouais. Faut qu'il soit par en haut. Donc, on va aller en bas. Et là, lui est jammé. Lol. On met ça par en haut. Ok, mon bloc de glace en train de dégeler. On va peut-être mettre une autre couche de glace. Puis on va envoyer ça de même. Pif, paf, pouf, me tasse. Et voilà. Comme si de rien n'était. Cool. On a encore une fois des petits bonbons. Je viens de finir mon café. Bouhou. Il reste 4 tableaux. Ça va aller assez vite, j'ai l'impression. Ok. Ok. Retour des bombes. Crap. Ça, j'aime pas ça. Ok. Fait qu'on a des respawns, des points de respawn vraiment all over the fucking place. Ok. J'ai fait survivre ça. Je sais pas trop comment j'ai fait là. Ok. C'est ici. Ah. Fuck. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Je pense que là, c'est ma dernière vie. Je pense que je vais être game over encore une fois pour ma énième fois. Là. Bon. Est-ce que je devrais le prendre de vitesse? Est-ce que je devrais essayer de le bloquer? Ok. Game over. On va poursuivre. Parce que game over, ça ne m'arrête pas. Rien ne pourra m'arrêter. J'aime comment ils font la démonstration du but que les bombes font péter les blocs. Là. J'adore la manière que je viens de mourir tellement fucking rapidement. J'essaie d'aller un petit peu trop vite, j'ai l'impression, là. En tout cas, dans ce niveau-là, je me donnerais certainement pas la peine d'aller chercher toutes les popsicles parce que... premièrement, c'est juste des points. Deuxièmement, trop de menaces partout. Ah! Ben oui, c'est ça qui... Putchez-vous toutes, moi. Là, à partir du moment que les bombes se mettent à presque exploser, se mettent à courir dans... faire des scrambles all over the place. On voit l'exemple, là. Fait qu'il faut que je trouve une safe split, une safe spot, dans le fond, un endroit secure. Ok. Calic. Sérieux. C'est quoi un autre game over? Un autre game over en même pas 2 minutes. Ok. Ok. Faut vraiment que je me trouve un safe spot, parce qu'à partir du moment que les bombes font des scrambles, là, moi, je suis mal placé. Bon, ok. On va bloquer celle-là, si je peux trouver un autre... Calic. Je crois que c'est une bonne idée d'avoir bloqué le chemin. En fait, je pourrais utiliser... Peut-être que j'aurais juste soufflé sur les ennemis bleus pour bloquer le chemin avec les blocs que ça génère, là. Putain. Ça serait peut-être une bonne idée, là. Comme ça... Là, je pense que je suis safe. Ils vont clairement faire péter mes blocs, mais au moins. Ok. Cool. Ok. Ok. Comme ça, je suis encore safe. Nice. Puis il manque juste mon sac. Yeah! Encore une fois, des hamburgers. Hamburgers! Fait que c'était juste d'y aller systématiquement, je veux dire. Y'a rien, là. Il reste 3 tableaux. 3 tableaux. Un autre complexe avec des... Ah, il y a des coques, des... Ils nous font un petit démo de réaction en chaîne avec des coques. Donc, puis ils n'ont plus de blocs. Donc, il va falloir que je leur feed un bloc. Puis, j'ai l'impression que c'est ça, dans le fond, c'est juste les utiliser... dans le fond. Rien de plus compliqué que ça. Ok, ils viennent de cligner ça. Fait qu'on a une place pour mettre un slime. Laisse petite coque ménard. Tellement, hein? Bon, ok, s'il passe là, il passe là, on va l'envoyer comme ça, ok. Ok, cool. Ok, on l'envoie comme ça. On va utiliser le trampoline, il va me l'envoyer ici, on va l'attendre là. Haha, les coqs qui se suicident, good time. Bon, on va l'envoyer là, ensuite de ça, je l'envoie par en bas, il va utiliser le springboard encore une fois pour l'envoyer à l'autre, puis l'autre devrait... Faut que je check par dans quel sens il l'envoie. Ah non, c'est pas grave, dans quel sens il l'envoie, il va... Hein? Facile comme tout. On a les 3. Pif, paf, pouf. Retour des éclairs au caramel, je sais pas trop quoi. Nice. Ok. Avant-dernier tableau. Oh shit. Ok. Faut juste réussir à renvoyer une passerelle vers le A puis un canon. C'est ça le problème. C'est ça la gimmick de ce tableau-là. Le canon. Ok,
Faut juste faire attention, comme j'ai failli ne pas faire. Puis les explosions, j'imagine qu'ils pètent mon bloc aussi. Ah, pas comme ça. Ok. Ok. J'ai ma petite idée. On va utiliser les springboards en séquence comme ça. Comme ça, ça va bien. C'est un petit peu... Ah! Je veux dire, c'est un petit peu risqué de faire ça. Oui, c'est un petit peu risqué de faire ça. Peut-être glisser ci-dessous par ma mort subite. Encore une fois, j'étais en dernière vie. Si c'est pas fantastique. Paf! Moi, j'aime l'idée de blocs de glace qui écrasent des canons. Pas qu'ils cassent, pas qu'ils détruisent, pas qu'ils font exploser les squish. Ok, je peux pas pousser dessus quand il est dans le milieu. J'ai une bombe à 2 pouces de ma face, on va se passer. Il va falloir que j'utilise les autres springboards. Bon. Comme ça, comme ça. Ok, comme ça. Ouais, c'est aussi simple que ça, dans le fond, là, je suis rendu dans le milieu. Fait que, faut que je les pousse à partir d'en bas. C'est une petite canon de marbre. Good! Comme un crème glacée! Yeah! Pour nos chaudes journées d'été. Il reste un tableau. Un tableau plus le boss, là. To be fair. Qu'est-ce qu'on a comme merveille ici? Un maillet avec des springboards. Ça a pas trop l'air compliqué. Les tortues ont l'air chiantes, mais... Ça a l'air assez simple. Ça a l'air plus simple que d'autres niveaux. Ok. Ouh. Ok, comme ça. Dans le fond, j'ai juste à faire la même affaire, mais à l'envers. Ah, mais je peux pas. Ok. Je peux pas à cause de où provient... C'est ça, je suis obligé d'envoyer mon affaire vers la droite. Il faudrait que... Ça gosse, ça. Ok, à partir de là, je peux peut-être l'envoyer contre un... Ouais. Ok. Si je l'envoie comme ça, je peux pas rien faire. Peut-être que je me pitche de l'autre bord. Ok. Tortue. On va par en bas. Comme ça, comme ça. Ok. Ouf. Mais voyons. Ok. Ça m'a l'air tellement trop serré. Ok. Ok. J'ai pas le choix de pousser dessus. Mais hein. C'est reparti. Great. Ok. Oh. Oh, pitié. Fucking tortue. Ok. Comme ça, comme ça. Ok. Calique. Pitié, hein. Ok, j'ai l'impression qu'il faudrait que je tasse le... Colin. Encore game over, ok. Oui, que cool. Help them all out. Ok. On recommence ce tableau-là. Je suis tellement content que quand c'est game over, tu recommences pas le monde au complet. Là. Ça serait le bordel. Ok. On va chercher le premier. Cela me semble évident. Dans le fond, le deuxième, faut juste que... Faudrait juste que... Entre le moment que je le pousse... Puis le moment qu'il revient vers le bas... Faudrait que je le... Que je déplace le... Ah! Que je déplace le maillet. Une autre vie perdue. Là, je suis pas mal sûr que je vais l'avoir. Ok. Voyons voir ça. Et de 1. Ça. Ok. Comme ça.
ça c'est bien. J'aime le goût de l'enfermer là, t'inquiète. J'ai pas le choix de le sortir. Hein. J'aurais pas le choix de le sortir de là. Une fois qu'il est là. Je peux pas enlever le cylindre là. On est obligé de péter le bloc là. J'avais pas le choix. Ok. Je l'ai manqué. Ça aurait été le fun pourtant. Wipe. Pif, paf. Ok. On va checker ça comme il faut là. Faut juste faire attention. Comme ça. Yes. Peut-être tellement facile. Là, on a une espèce de gâteau aux fraises, c'était le gâteau des anges. Ok. C'était-tu le dernier tableau? Je pense que c'est le dernier tableau. Gâteau aux fraises qui parle. J'attendais depuis longtemps ce moment. Ok. Apparemment, il n'y a pas tout le texte. Ok. Ok. Un monstre tortue. On dit qu'il y a un monstre tortue dans le palais. On dit qu'il est très dur à battre. S'il vous plaît, Kiko, sois sur tes gardes. Sois sur tes gardes face au monstre tortue. Je te paye un brun que c'est un... On a tout le temps, je veux dire... C'est toujours des grosses versions des ennemis qu'on a dans le tableau. Fait que là, si c'est une grosse tortue, ça va être l'espèce de tortue qu'on a dans le niveau en version grosse. Ouh, trip d'acide. Ok. Clairement en train de faire une crise d'épilepsie. Ok, puis on a un gros gâteau. Château en gâteau. Ok, on va faire un tour à l'intérieur. Oh, c'est comme des biscuits en arrière. C'est capane, comme dans Kappa. Haha, Kiko. Non, c'est haha. Tu es Kiko, je vais te punir. Punir, ouais. Bon, ok. Une tortue qui envoie des tortues, ok? Puis la carapace de tortue se pète en plus petite carapace de tortue. Makes sense. Une tortue qui me pitch toute sa garde-robe, good fucking time. Ok, il fait ça qui est un petit peu plus dérangeant. Ok. Ok, on va nettoyer la place. J'ai quand même frappé trois fois. Ok. Oups. C'était un petit peu trapped. Bon, une vie de perdue. On recommence. Au moins, j'ai pas à me retaper le tableau, hein. Haha, tu es Kickle, je vais te punir. Ok. Pas le gelé. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Haha. Haha. Ouh, ça approche. Et de 3, 4, c'est 4 ça, 4. 5, Peace Cake! Yeehaw! On va aller voir la princesse, ça. Que dit la princesse? Oh, elle se tient en face! Il y a des sujets de petits gâteaux. Ok, princesse Créma. Créma! Est-ce un rêve? Suis-je hors de cette balle de cristal? Blablabla, bla, bla. Seulement quand les quatre palais sont retrouvés, blablabla, bla, bla. Le royaume fantastique pourra revivre. Blablabla, bla, bla. Récupère le royaume fantastique. Ok, puis le prochain monde, ça va être... Toyland! Donc, be back, prochaine partie. Salut!